Pour continuer sur la santé, dans le projet de budget de la Sécurité sociale, il y a un amendement de Michel Delaunay sur le tabac qui a été rejeté. Un amendement qui prévoyait de fixer le prix des paquets cigarettes sur le coût sanitaire pour la société. Ça aurait doublé à peu près le prix du paquet. Ce n'est pas un sujet anodin du tout. Sauf qu'on n'en parle pas, justement. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir. Parce que le tabac, l'alcool aussi, ça a un coût considérable pour la société. Coût humain, coût dramatique. Le tabac, c'est 70 000 morts par an. 73 000. 73 000, oui. Merci d'être encore plus précise. J'aime ça. Et l'alcool, je crois qu'on a... Il y a peut-être 3 000 qui ont arrêté de fumer au moment où on se parle. Hein, c'est possible. Mais il y en a surtout 10 qui sont morts depuis le début de cette émission. C'est vrai. Voilà. 10 qui sont morts. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'au fond, le tabac tue. Et il tue sans qu'on en fasse une affaire spectaculaire. Moi, ce que je donne comme image, imaginez que tous les matins, vous vous réveillez, vous mettez la radio ou vous mettez la télé et vous apprenez qu'un avion avec 200 personnes à bord s'est écrasé. Eh bien, c'est très exactement ce qui se passe. Tous les jours, 200 personnes meurent du tabac en France. Absolument. Et on fait comme si on s'y était habitué. Sauf que j'ai lancé un plan pour lutter contre le tabac. Bah justement, on n'en voit pas forcément les effets. On pourrait également... Moi non, j'ai lancé il y a un mois. Voilà pourquoi on n'en voit pas les effets alors. Moi, je veux bien que... N'empêche que cet amendement ne passe pas. Parce qu'il faut quand même rappeler, je trouve que quand même... Voilà, l'alcool, c'est 50 000 morts par an aussi. Donc voilà, on pourrait aussi parler de l'alcool. Ouais. Mais c'est surtout le coût. Enfin, c'est pas surtout, c'est aussi le coût pour la société. 47... milliards. Oui, il y a une étude qui a quelques années qu'on est en train de refaire et qui évalue le coût social, général, du tabac à peu près des à morts, cela. Des morts et des maladies du tabac. Mais pas simplement les maladies, c'est aussi, il compte tout. Par exemple, celui qui jette son mégot de cigarette en allant se promener, il y a un feu de forêt et donc il faut envoyer les pompiers, tout ça coûte de l'argent. Mais en gros, 18 milliards pour la sécurité sociale. Putain, je vais la savourer la prochaine mois. Ces 47 milliards, c'est à peu près 3 fois le déficit de la Sécu. Donc, il faudrait peut-être s'attaquer à ce problème de manière plus sérieuse. Pourquoi ? Alors, vous avez lancé un plan il y a un mois, mais pourquoi on a le sentiment que c'est un sujet qui n'intéresse pas vraiment les politiques, pas plus ce gouvernement-là que les autres ? Écoutez, là, vous tombez à côté, parce que... Ben non, mais dites-moi, alors, vous allez faire quoi concrètement ? Parce que ce plan, il a reçu le soutien de l'ensemble des associations de lutte contre le tabac, qui ont toutes dit de façon unanime qu'il n'y avait pas eu de plan de cette ampleur-là et de ce volontarisme-là depuis des années et des années. Ce plan, il porte d'ailleurs des mesures qui ne font pas plaisir à tout le monde. Et j'ai mis deux ans à le travailler. J'ai mis 2 ans aussi à convaincre que c'était nécessaire. Concrètement, je ne vais pas vous dire toutes les mesures, mais il y a des mesures assez fortes. Il y a une mesure dont on a beaucoup parlé qui est la mise en place du paquet neutre. Oui. Ça va prendre un peu de temps, mais n'empêche que c'est une mesure extrêmement importante qui a été mise en œuvre en Australie, que les Anglais sont en train de préparer, les Irlandais. Et c'est un changement complet, parce qu'on sait très bien que l'industrie du tabac joue sur le packaging, l'attrait des paquets de cigarettes pour vendre des cigarettes. Ouais, donc ça, c'est une mesure tout à fait importante. Pourquoi ce ne sera pas efficace ? Parce qu'un fumeur, il taxe même quelqu'un dans la rue avec n'importe quel clope en se foutant totalement dans quel paquet elle est. Hein. Écoutez, en Australie, on a vu un effet. Et la principale cible, ce sont les jeunes. C'est-à-dire que celui qui fume depuis déjà des années, qui est complètement accro au tabac, il faut avoir d'autres actions. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous passer de cigarette, paquet neutre ou pas paquet neutre, vous allez acheter vos cigarettes. Là, on est d'accord. Mais si vous n'avez pas fumé ou vous commencez, on sait qu'en France, on commence jeune, 12, 13 ans, pour des raisons qui sont les copains, être dans un clan, etc., un groupe d'amis, il faut essayer, se faire accepter. Le paquet neutre, ça provoque des réactions. En Australie, qu'est-ce qu'on a vu ? Là, on ira dans un club paquet neutre. Un club paquet neutre ? Oui, mais écoutez... Si ce que vous voulez dire, c'est que paquet neutre tout seul ne règle pas le problème... Une mesure forte, c'est ce que proposait Michel Delaunay. Ça, c'était fort. On double le prix du paquet de cigarettes. Déjà là, vraiment, il y a un effet... Vous voulez voir tout le monde dans la rue ? Écoutez...
Il y a l'interdiction de fumer dans les voitures ou dans les parcs où il y a des enfants. Oh là là, on va aller loin avec ça. Ah, parce que vous êtes pour qu'on fume dans les voitures. Si c'est décapotable. Je ne fume pas, vous savez. Donc, Non, mais pas vous. Mais là, que des gens fument dans les voitures. C'est très anecdotique, pardonnez-moi, hein, mais je pense pas que ça va changer. C'est le téléphone portable dans une main et la cigarette dans l'autre. Ça, alors, faut reconnaître que c'est. Ceux-là, ils sont mal partis. Et on a une incohérence qui n'est pas que française, mais qui en France, en tout cas, est très marquée. Ça concerne justement la manière dont on traite le tabac et l'alcool, je les mets dans la même catégorie, et le cannabis. Alors vous m'aviez déjà parlé de ça la dernière fois que je suis venue. Ah oui, ça le... C'est vrai. Oui, oui, donc ça doit faire partie de vos obsessions. Sauf qu'il y a une petite nouveauté, c'est que... Si vous essayez d'insinuer que je suis un fumeur de shit, si je l'étais, je vous le dirais, ça ne me gênerait absolument pas. Ah non, mais moi, personnellement... Mais il se trouve que je ne fume ni tabac, ni shit. Mais simplement, j'essaie de penser à une cohérence. Vous savez que la cohérence, c'est quelque chose dans ce gouvernement, je sais, qui est un mot que vous ne connaissez pas toujours. Mais là, peut-être sur un sujet comme celui-ci, vous pouvez essayer de faire un petit effort de cohérence. Puisqu'on sait, on connaît la nocivité du tabac, on connaît la nocivité de l'alcool, que vous ne niez pas, qui sont donc en vente libre. Aujourd'hui, on a des tas d'études, on en a de plus en plus, qui en revanche ne nous disent pas qu'il y a la même nocivité sur le cannabis. En tout cas, le cannabis, on est sûr d'une chose, c'est pas plus nocif que le tabac, ça, personne ne le contestera. On a des États aujourd'hui, les États-Unis par exemple, qui envisagent de plus en plus sérieusement, qui le font, qui ont dépénalisé le cannabis à usage thérapeutique dans une vingtaine d'États. Pour le plaisir dans deux états. Bref, et nous, on est encore super bloqués. Mon objectif, et c'est ce que j'ai dit en lançant le plan tabac, c'est qu'en une génération, on fasse quasiment disparaître le tabac. Donc ce n'est pas pour dire, écoutez, c'est la fin du tabac. Moi, mon objectif, c'est que les bébés qui naissent aujourd'hui soient la première génération de non-fumeurs. Ce n'est pas pour dire à côté, mais allez-y, prenez du cannabis et je lâche les voiles là-dessus. Pour moi, c'est une question de cohérence, c'est-à-dire que je ne vois pas comment je peux porter des messages de santé publique forts et fermes sur le tabac, sur l'alcool, tout en disant il y a des risques qui sont liés au cannabis, mais au fond, c'est peut-être moins grave, donc allons-y. Ma cohérence, c'est plutôt de dire faisons reculer l'ensemble des addictions. Léa Salamé.